Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ces magnifiques boucles d'oreilles au crochet. Comment les réalise-t-on? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager afin que la communauté s'agrandisse. Bienvenue une fois de plus. Comme matériel, nous aurons besoin de fil, d'un crochet, 2 mm, d'un anneau, d'une paire de ciseaux. Et vous pouvez mélanger les fils de couleur dont vous voudrez. On va commencer par le centre. On prend le fil. On fait le cercle magique. On attrape l'autre côté. Et voici notre cercle magique. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et celle-ci va nous servir de bride, de première bride. Maintenant, on fait notre bride dans le cercle magique, la deuxième. On va faire comme ça, 12 brides. La troisième. La quatrième. Et on va continuer comme ça, jusqu'à atteindre 12. Et on compte les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. On tire bien l'autre bout pour serrer. Et on va faire une maille coulée. Comme ça. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Une bride. On fait déjà le deuxième rang. Une bride, 2 mailles en l'air. Une autre bride. Et on va travailler comme ça tout au long de notre deuxième rang. 2 mailles en l'air. Une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air, 2 mailles de séparation, une bride. Et on va faire comme ça jusqu'à atteindre l'autre bout. Et ça va nous faire le deuxième cercle. Donc nous sommes à la fin, on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire le troisième cercle. Comme ceci. On commence par 3 mailles en l'air. Dans chaque espace, on va faire 3 brides. Mais dans le premier, si on va juste faire 2, parce qu'on a d'abord nos 3 mailles en l'air là qui vont nous servir de brides. Dans chaque espace qu'on a créé, parce qu'on faisait 2 mailles de séparation, dans les espaces là, on fera 3 brides à chaque fois. Et ensuite, on fait une maille en l'air. Une bride. Une deuxième. Une troisième. Une maille en l'air. Voici notre première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Toujours dans le même espace. Une maille en l'air. Première bride. Et on a fini avec la partie de l'intérieur de notre boucle. Ça, ce sont nos dernières brides. Ensuite, on fait une maille de séparation. Une maille coulée. On fait une maille pour rattacher. Et on coupe le fil. Notre intérieur est fini. Maintenant, on va travailler sur la boucle. On va faire les mailles serrées. On prend le fil. On fait un nœud sur la boucle. On commence avec un nœud coulé. Une maille coulée. Ensuite, on va faire les mailles serrées. Tout au long de notre boucle.
une maille collée. Voici notre première maille serrée. La deuxième. La troisième. On va travailler comme ça jusqu'à recouvrir toute la boucle. On prend juste le fil. Ensuite, on prend l'autre fil par le bas. Et on fait nos nœuds. Donc, voici à la fin. On fait notre dernière maille serrée. Une maille en l'air. Et on va retourner le travail vers l'intérieur. Maintenant, on va prendre le bout qu'on a fait, on va le poser et on va les joindre ensemble. Donc, voici le bout qu'on a fini. On va faire dans une des mailles, on introduit le crochet et on va chercher le fil, l'autre bout de fil de l'autre côté. Avec les mailles serrées, les mailles coulées. Et de ce côté, on compte 1, 2 espaces, on fait une maille coulée, sans boucle. Ensuite, on revient ici, dans l'espace suivant, on entre, on saisit le bout de fil, on fait une maille coulée. On compte 1, 2 dans le deuxième espace. On fait une maille coulée sur l'intérieur. On repart à l'intérieur dans l'espace. On fait une maille coulée. On revient ici. On va maintenant compter 3 espaces à cause des mailles de séparation qu'on faisait sur la partie du milieu là. Donc on va travailler comme ça jusqu'à la fin. Et si à la fin vous voyez que ça ne va pas suffire à l'intérieur, il va falloir donc ajuster. C'est-à-dire quoi? Donc, il va falloir réduire. Soit vous réduisez maintenant dans les espaces que vous avez fait 2. Vous allez sauter juste 2 espaces sur la boucle. Et pour les simples espaces dans celui du milieu, vous allez donc juste faire des correspondances sans plus sauter d'espace. On va travailler comme ça jusqu'à atteindre l'autre bout. En résumé, on saute 2 espaces pour les simples espaces. Et 3 espaces pour les mailles qu'on faisait sur la partie du milieu là. Nous sommes presque au terme de notre boucle. Ici, on va juste faire les correspondances. Donc, on va essayer d'ajuster. Pour que ça suffise. On essaie juste de faire les correspondances. Ça veut dire que dès qu'on fait un là-bas, on vient faire un ici, on fait un là-bas, on fait un ici. En fait, on ajuste juste. On essaie juste d'ajuster. Et voilà, nous sommes au dernier. On fait le dernier. Maintenant, on va juste faire les mailles coulées tout le long là. Comme ceci. Et voici notre jolie boucle d'oreille au crochet. Vous choisissez n'importe quelle couleur de fil et vous la refaites chez vous.
Et voilà, on coupe le film. On cache le film maintenant. Ensuite, vous pouvez utiliser la colle à la fin. Notre jolie boucle d'oreille est prête à l'emploi. J'attache celui-ci, le fil du début, avant de le couper. On coupe et on va aussi utiliser, vous pourrez utiliser la colle ou bien brûler et passer un peu le briquet dessus. On coupe aussi. Mais il faudrait éviter de brûler la boucle, de brûler votre travail. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et à partager avec d'autres personnes. À bientôt, j'espère, sur une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.